Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle session de Dracolo. On est avec Brodaf et Chobiti, salut tous les deux. Salut. Chobiti, t'es avec nous, hein. Oui, salut, bonjour. Ah oui, Ouais, là on c'est t'entend ça. mieux. Le premier, on entendait de très très loin. C'est bien ce qui m'avait semblé. Bon, on a défini que malheureusement le Dracolo avec Discord à côté consommait un max et que bah, le PC de Choupiti était un petit peu dans le mal. Donc Ouais, ouais. bah Ah, j'ai oublié de je repasser. relaierai si vraiment on voit que ça galère, mais Oh non, mais. malheureusement Voilà. à part changer le matos on n'avait pas trop de solutions quoi. Changer le matos en 2-3 jours c'était un peu tendu. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On était bien dans la base. On venait juste d'arriver. On venait Oui, juste et d'ailleurs, d'arriver. personne ne m'a signalé qu'on était en hiver. Du coup, j'ai pensé tout seul à mettre un bonnet et une veste. Plutôt que me balader en t-shirt pour pas avoir froid. C'est sûr, c'est important. Pas sûr d'avoir de quoi mettre des fringues d'hiver, moi. Je peux mettre un bonnet, voilà. Je pense qu'on Si, s'était j'ai quitté des là vestes. parce qu'on devait aller sur l'île qui était juste en face. Si vous êtes motivé, commencez la première exploration par cette magnifique ferme. J'ai même mis le même sac à dos que toi, le signe. Bah écoute, je ne sais que te dire. Tu lis le Bourdaf? Ouais. Hop, c'est parti. À droite. Cette droite là ou On a dit dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit qu'on était pas gentil avec avec Chobiti parce qu'on disait à droite et on allait à gauche. Je ne me souviens absolument pas de ça. Bon, de toute façon, la gauche, la droite, hein, suivant comment t'es placé. Voilà, c'est ça, voilà. Si elle court dans le mauvais sens, tout de suite. C'est juste que Chobiti a un petit côté Perceval, c'est tout. Ah, un camion, parfait. Bien, les gars, là. Faut se détendre un peu là. Ouais, par deux gros tas là. Du coup, quand il tape de manière synchro, c'est un peu tendu de caler un coup. Bon, il y a un camion de bois ici, c'est pas fondamental. Si, il y a un camion de pierre. Bon, de toute façon, j'avoue que dans cette session, niveau ressources, franchement, on est bien. Oh oui! On a un petit raid dans 9 minutes. Je pense qu'il pourrait limite le gérer tout seul. Vu le. La défense qu'on a mis en place. Ça pourra valoir le coup d'aller se poser dans le camp, voir comment ils s'en sortent, comme ça on saura pour les prochaines fois. Mais... Alors, là, j'ai un camion de. Pièce électrique. Ah, c'est plus rare ça. Et je crois qu'on était au niveau max, non? On était au niveau max, mais on avait encore plein de pas mal de trucs à construire, donc ça peut garder du sens de récupérer des ressources. Il n'y avait pas d'armes dans le coffre que t'as ouvert. Non. Tristesse. Ouais. Voilà, là il y a des armes si vous voulez tout en haut de la grange. Perfect. Quand je dis parfait, ça se trouve j'en ai même pas besoin. On va aller jeter un oeil. Tu veux pas, non, tu veux pas passer.
Tu ne veux pas passer par cette fenêtre. Voilà. Ok, c'est bien le niveau du bas. Bah, je crois que limite on a fait le tour, non, il reste encore des petits objets qui traînent. Il doit rester un voire deux coffres peut-être grand max. Vu ce qui reste sur la map. On n'a pas de quoi se soigner, donc on va prendre un petit heal quand même. Claque une baguette de sorcier pour qu'on trouve le... Vas-y, ouais, je vais en speed relier les camions du coup. Où est-ce qu'ils sont? J'en ai relié deux entre vous. Ouais, je sais, mais justement, je regarde. Ok, ils sont juste là. Donc, c'est-à-dire que si je me place par là, je devrais les voir. Ouais, c'est bon. Ils sont sous la grange. Ah. Ah, sous la grange. Il y a un truc pour aller sous la grange. Ouais. Ouais, qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a encore quelques bugs quand même sur le jeu. Je crois que je suis trop loin là. Ah non, juste à portée. T'as trouvé Chobiti? Non, je trouve pas. Ah! C'est... Il y a un truc là, tu vois, je vois une icône de coffre là, sous le. Ah oui, exact. Ouais. Dans la neige, là. Hop. Ah bah, d'accord. Je tape dans le tas. Je cherchais à voir le coffre, toi tu tapes au pif. Dans le doute, tape dans le tas. Ah bah, je fais pareil, du coup, et je vais taper dans le tas et je me dégraine. On voit toujours pas le phare. Là-bas, c'est une église. C'est une église aussi. J'irais bien sur cette île là qui est assez centrale pour essayer de voir si y a pas moyen de. Arrive. De voir le choper le phare. Alors moi je préviens juste, j'ai baissé mes graphismes donc je vois moins loin. Donc le phare c'est pas moi qui vais le trouver. T'inquiète pour. Ouais. C'est parti. Oh, une toute petite invasion des terres. Ouais, effectivement. Aïe! Bah ouais, je pensais pas qu'il irait vers Brodaf. Bon, vous allez pouvoir le gérer à deux. Putain de loup. Ah, foire, il s'enfuit. Ah, il y a un dragon ici. J'avais pas besoin de Brodaf pour partir. J'en ai fait un peu beaucoup dernièrement. Écoute, il m'en reste 76. 76 quoi? Égide des terres. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ah bah, ok. Il y a des sacs par ici. Oh, il y a aussi un croqueur, mais. Encore un camion de bois. Il y en a aussi ici des sacs. Pas d'autre. Une canne à pêche et un bâton de ski. On va virer ça. Il fait mort, putain, il commence à être costaud. Ah la vache. Paraissez. Où les armes? Bah j'ai pas ouvert les sacs, il y en a deux là. J'ai pas ouvert les sacs. Hop, j'ai voilà. Un plan. Ah oui. Bon bah, j'ouvre. Hein. Oh bah, je suis pleine en fait. Oui, bah, je vais jeter ça. Alors, faut essayer de monter tout en haut là. Ah bah, y'a un plan là. Ok, c'est trop loin, je crois que je connais cette deal, faut passer par là.
C'est quoi tous les objets partout là? Toi qui les as droppés? Moi j'avais trouvé des sacs, c'est peut-être l'endroit où j'avais trouvé où j'ai trouvé les sacs. Ah peut-être. Non, ça c'est pas les miens. Hop là, ici il y a un sac, il y a une mine aussi. Ah, il y a une note là. Page du journal, le noble maçon, ce qui devrait être nôtre. Nous avions encore des doutes, les voilà dissipés. Une fois la sorcière et les esprits partis, nous sommes rapprochés du plus grand amas de gemmes. Frère Kenelm, qui avait étudié leur manière, nous a invités à l'imiter. Les yeux écarquillés, main dans la main, nous avons reproduit leur étrange gestuelle. Le pouvoir s'est déversé sur nous comme un torrent d'épines et de ténèbres. Nous n'étions pas préparés à une telle douleur. Tout un programme. Il y a encore plein de sacs ici. Alors ici, il faut que j'arrive à sauter là-bas maintenant que je suis ici. Ah bah il y a une note aussi là, tiens. Ah ok, ça passe. Alors, le retour de la sorcière. Nous nous sommes mis en marche à l'aube, nos pensées tournées vers le trésor des esprits. Alors que nous approchions, Obadiah nous a invité de nous a intimé de nous taire et d'avancer sans bruit. Dissimulés par la végétation, nous avons surpris la sorcière Ho et les esprits en plein congrès, entourés d'une nuée de gemmes. Un halo lumineux est passé d'une gemme à la sorcière alors qu'elle prenait la fuite. Je jure que ses pieds ne touchaient plus le sol. Ce pouvoir sera nôtre. Ok, c'est la celle qui était juste avant la première que j'ai lue. T'es où celle de ma sœur? Alors l'autre c'est un peu tricky, je vais vous montrer pour y aller. Si vous voulez bien me suivre. Attends, je me nettoie, j'arrive. Bah de toute façon j'allais vers toi. Donc... Ah, ça t'aime bien. Faut passer par là. Ça amène à ce qui ressemble à un cul-de-sac, sauf que en fait si vous regardez en bas là, il y a moyen de choper ce petit rocher là. Oh. J'ai glissé, chef. On a vu. Après c'est tout simple, suffit de grimper et on est en haut. Ah mais c'est l'orgie d'armes partout. Ouais, j'avoue que c'est un peu la teuf par contre là. Ah, il y a un petit pistolet à clous, j'en suis au niveau pistolet à clous. Non, j'ai déjà du truc. 800 DPS, 120 DPS. Ouais, de toute façon c'est la même chose. C'est un arc, il faudra que je trouve quoi. Terme d'armes. Un raid dans une minute. Tu veux qu'on aille voir comment ça se passe? Comme tu veux. C'est là-bas, ça serait pas plus mal, ça serait peut-être. Il n'y a pas de camion ici. Bah, il y a un camion en face, est-ce qu'on peut pas relier le camion? Je peux récupérer ce camion là déjà, avancer vers là-bas. Carte, je voudrais aller ici s'il vous plaît. Là, juste derrière ce petit... petit truc, alors toi tu vas gentiment aller te faire foutre, merci. Ouais, c'est ça, il est là. D'ailleurs, oui, tout à l'heure il y avait un dragor ici, on l'a pas ouvert, on l'a pas débloqué, on l'a pas dégivré. Je me souviens que j'ai vu un dragor. Ah, mais c'était peut-être sur l'île où vous êtes. Un dragor? T'as vu un cube de dragor? J'ai vu un tube de dragor, tout à fait. Et il est pas indiqué sur la carte? Je le vois. Ah, si, d'accord. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, on a un petit succès, pas les abeilles. C'est quoi là? J'avais un symbole avec deux ronds rouges sur l'île en face. Normalement c'est les ronds. Ouais, t'as dû activer un... Oui,
Oui, j'ai pris une baguette de sourcier. Une baguette de sourcier, ouais, voilà, c'est ça. Ah, de sourcier. Oui, tu vois les trucs sur les autres îles. Éventuellement. C'est bon, il y a un chemin pour rentrer. Hop, on voit un peu comment il s'en tire. On a dit qu'on le faisait pas grandir tant qu'il était pas rentré, n'est-ce pas? Faut qu'il y ait une saloperie qui lui tape dessus. J'étais en sécurité. Moi je dis ça, hein. Les gars, au poste de combat là, bougez-vous. Non, non, mais arrêtez de vous cacher. Allez, vous aussi là, montez-moi sur ces balistes. Et parce qu'en fait, tant que tu les actives pas, les dragors, ils vont pas défendre le camp, si. Si, si, au bout d'un moment, ils y vont. C'est marrant, mais du coup, il y a un raid. Ça peut mettre un peu de temps. Il y a un raid, et du coup, il s'est caché alors qu'il est pas du tout rentré au village. Ah oui, il a peur, le pauvre. Ouais. Machin, t'es pas obligé de rester coincé là. Coucou, le renard, il est tout fou pendant le raid, il tourne et tourne sur lui-même. Allez, y'a une balise qui t'attend là. Attends, il veut pas monter ce coup. Oh, tu vois, il se débrouille, hein. Franchement, ouais. Un peu de temps pour que pour qu'ils arrivent à rentrer dans les balises, mais bon, une fois que c'est fait. Beau l'outil ici. Même l'exécuteur, je suis sûr, ils vont pouvoir réussir à le gérer. Y'a personne qui est rentré dans le. Si, pourtant, y'a quelqu'un là. Parfait. Boum! Comme ils l'ont défoncé. Hop là. Défense parfait. Automatique comme succès. Et là, j'ai un coffre. Ouais, normalement, quand, si on est loin, si on les laisse se défendre tout seul et que. Et qu'ils arrivent à gérer, le coffre il apparaît sur. Sur toi, si t'es sur une autre île. Non, là il apparaissait bah, au niveau du dernier ennemi, là, l'exécuteur. Ouais, il apparaît sur tes pieds. Mais je te dis, si t'avais été sur une autre île, il apparaît pas au camp, quoi. T'es pas obligé de rentrer pour avoir le loot. Ah oui, d'accord. Il y a des murs qui ont bien souffert quand même, on avait pas dû les réparer, je pense. Ouh, bah cette baliste, elle s'est fait défoncer. Pourquoi tant de douleur? Ah, on a trouvé un commerçant. Oui. C'est Chobiti qui continue de fouiller. Ah. J'adore toujours autant les mouvements de caméra. Lui, je le fais progresser à l'âge suivant. Il a popé. Il est parti dans le ciel. Ah. Oui, c'est moche ça. Bon, j'ai lu Seigneur maintenant. Pas mal, parfait. On va parler au renard, hein. Qu'est-ce qui lui arrive le renard? Coucou, salut, je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais est-ce que tu veux jouer avec moi? Toi tu vas te cacher, puis tu comptes jusqu'à 10 et je viens te chercher. Ou alors c'est moi qui vais me cacher, c'est vrai que je connais beaucoup de bonnes cachettes. C'est décidé, je veux me cacher, je compte jusqu'à 10 et c'est toi qui viens me chercher. Ou alors c'est toi qui compte jusqu'à 10, je suis pas sûr de savoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a après 3? Bon, je dois d'abord comprendre les règles, je devrais peut-être demander à maman. Ensuite on pourra jouer. J'aime bien le renard, il est marrant. Alors, on a plus de nourriture. Je pense que si on remplit les serres, ça devrait être bon. On est un peu juste en eau aussi. Alors, rangeons un peu des trucs qui servent à rien. Je vais aller ranger toutes les graines que j'ai chopées, moi. Ouais, on avait encore un... Ouais, on a encore le... Le chaudron. Alors, chaudron sert plus à grand chose. Là, dans cet environnement, on trouvera plus que des briques de jus. Les plantes, c'est mort, quoi. Bah, après, ça sert quand même à consommer les briques de jus. Oui, c'est ça. Ça sert à utiliser les briques de jus, quoi. Ah bah, il y a une note ici. Bah, tu vas pouvoir nous la lire. C'est un message de Sarah Ho. D'étranges instruments. Le temps me semble s'écouler différemment ici. À mon arrivée, les objets que je pouvais fabriquer m'étaient familiers. À présent, quand je demande aux plantes de m'aider, les objets qui en résultent sont tout à fait singuliers. Je me demande parfois si je saurais reconnaître mon village si l'on retrouvait le chemin.
Mmh. Bon bah on peut repartir. Bon bah il y a encore plein d'armes par ici. Bah oui, j'imagine. Ah zut, j'avais pas relié J'avais pas relié là. Merde, c'est une erreur. J'ai relié sur l'île que je suis. Moi qui l'ai relié un peu à l'arrache. Non, mais c'est moi, j'avais préparé un chemin vers l'île où on était et où t'es peut-être plus. Et visiblement, j'ai vu foirer. Donc c'est parfait, là on peut revenir. Hop. J'imagine que t'as bien nettoyé. Ah oui, il y a des armes là, une guitare. Pas encore. Pas fini de nettoyer. Un pistolet à clous. Mais si tu descends, ouais. Non, j'ai essayé, mais. Alors, moi, ce que j'ai vu, tu peux faire ça. Ah, oh, tu peux tirer dessus. Hein. Et les gemmes, elles arrivent sur ta. S'il y a un pas sac. Fini. Brillant. Ouais, c'est la teuf, hein. Teuf du loot, hein. On commence à sentir le mec avec son 70% de bonus. Là. Le coffre, il est sur le. Il est là où je suis. Alors, ici, il y a une autre note. J'ai beau employer toutes mes connaissances pour tenter d'aider les plantes, avec les années, elles deviennent muettes. Autrefois, elles chantaient, aujourd'hui, elles babillent. Elles qui étaient si attentionnées errent désormais sans but. Ce monde se meurt, j'en ai bien peur. J'en tiens les hommes pour responsables, le temps n'a pas été clément avec eux, ils sont devenus sauvages. Je sais pas si c'est celle que t'avais lue, celle-là, Chobiti, page du journal de Noble Mason, nature irrépressible. Je crains qu'il ne soit dans la nature de l'homme d'aller au conflit et même pour les plus vertueux de se tourner vers les ténèbres. Moi je suis le pire de tous, empli de fierté, indigne d'être aimé, guidé par des démons. Maintenant que j'ai quitté mon foyer, ma voix est claire, il serait contraire à la nature et au plan céleste de m'y soustraire. Je reste votre serviteur avant toute chose, inébranlable et déterminé dans un pays aux mille possibilités. Mon mousquet est chargé, prêt à faire feu. Celle que j'avais trouvée, elle est dans la maison. Oui, puis d'accord. C'était Sarah House, c'est ce que t'avais trouvé. Bon, bah, je vois toujours pas le phare. Hein. Est-ce qu'on irait pas sur la grande île au nord là? Une crosse de la crosse. Ah, je vois le phare, il est là-bas. Ouf. Alors, je sais pas s'il est sur cette île ou celle d'après, par contre. Ah, t'as traversé ? Ah, t'as pris zut. Bah, j'ai pris ton trajet, là. Du coup, faut que je remonte. Ah, sinon, un petit égide et c'est parti, hein. Il y a un sac là qu'on peut ouvrir. Je pense que niveau armement, on survivra là. Oui, bah. Tu crois ? Bah, moi en tout cas, de toute façon, si jamais vous en avez besoin, juste derrière moi là, il y a encore du loot. Oui. Il est là le signe. Hop. Est-ce qu'on peut mettre des trucs un peu chauds? Alors faut que je prenne un autre sac à dos, mais je vais prendre celui-là. On peut changer de sac à dos aussi, enfin, c'est pas grave qu'on est le même. Pour l'instant, ce serait bien que tu viennes. Mais on doit sauver ce monde. Oui, mais t'as le même sac à dos que moi. Restons sérieux. T'as pas d'armes d'ailleurs en main, Chobiti. Oui, parce que je viens de changer. Parle plus fort. Ouais, elle vient de changer je sais pas quoi et du coup elle n'a pas d'armes.
Bah du coup j'ai lâché celle que j'avais en main qui était pourrie pour en prendre une toute neuve et du coup comme j'ai pas activé, Ok. On m'entend encore pas ? Si si, on t'entend bien. Enfin tu peux confirmer Bourdaf, mais je pense qu'on t'entend bien. Oui oui. Il fait quoi de beau ce camion ? Il y a cet arbre-là qui m'empêche de le relier à l'autre. Ah. C'est pas tout à fait ma question, mais admettons. Ah putain, le croqueur tout flanqué dans les lianes, quoi. Hop là. Oula, il y a de la terre ici. Ah zut, c'était pas une... Ah si, voilà, c'est ce qu'il semblait. Un petit nid. Petit nid douillet. Douillet, je sais pas, mais... Allez. Il commence à faire mal, hein. De ce truc. Voilà, marche pas à cette distance. Ah, on a plus d'eau. Tiens bon. Ah, il y a une note ici. Message de Sarah aux poussières. Je me fais vieille, je peine à me déplacer, je quitte rarement ma hutte. Les feuilles tomberont bientôt autour de moi et je deviendrai poussière. Ce fut une belle vie, je l'ai passé à protéger de mon mieux les plantes qui m'ont aidé. J'aimerais être une sorcière et pouvoir leur rendre toute leur tête, mais je ne suis qu'une femme ordinaire, je l'ai toujours été. Qui a déclenché le truc là ? J'ai pas de mine. Quel truc ? Embuscade. Ah. Bah dis donc, une dernière requête de Sarao. Aidez-les, j'ai fait tout mon possible pour sauver ce monde qui est désormais le mien, mais je n'entends plus les rires qui retentissaient quand je suis arrivé ici. Aidez-les, puis trouvez le chemin qui mène de l'autre côté. Elle est où ta note ? C'est notre mission, elle est en haut de l'escalier, tout simplement. Il y a un pot de peinture ici. Ah, un petit plan. Ah oui, ça. Bon, un autre ici apparemment. Ah, mais il reste des ronces. Scandale. Et des chiottes aussi. Des chiottes. J'ai déjà dit que c'était chelou, mais je suis à peu près là-dessus. Écoute, hein, c'est pas le seul truc bizarre de ce monde. Oui. Avec ça, si tu veux. Merde. Putain. Ça peut toujours être utile d'avoir une cabane au fond d'un jardin. Hein. Tout à fait. Oh, le petit plan là, ça a un coup à se vautrer. On va prendre ça au cas où. C'est bon, ça passe. Toujours pas. Quelque part.
à 3 ça va, on gère. Là la barbe. Donc le phare est bien là-bas. Au niveau de la carte, si on veut relier, il faudrait qu'on passe par l'île de gauche. Pour l'instant, c'est pas une priorité. Il y a une petite caverne ici. Oh, j'avais même pas vu. Avec un plan. Oh. Ah bah bien joué. Bien ouais, je... Le phare est juste là. Il nous manque Chopiti. Je buvais du thé, c'est pas ma faute. Ça faut du thé. Bah de toute façon, on va arrêter l'épisode juste avant de traverser, puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, à nous dire ce que vous avez pensé. Allez voir le point de vue de Broudaf et Vitsevalcha. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.